William starts with a W. Zerbib starts with a Z. You're listening to William Zerbib Classic Rock, WDMZ. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, ce nouvel épisode de WDMZ Classic Rock. Alors là, c'est pas n'importe quel groupe, cher David Togis, qui me rejoint. Bonjour David. Bonjour, bonsoir. Non, bonsoir. Bonsoir. Je sais pas, j'ai l'impression il que quelque chose me dit qu'on a peut-être pu enregistrer cette émission en journée. Sinon, bonsoir David. Alors, on va parler d'un groupe... Je le répète, je n'ai pas honte de le dire, qui pour moi se résume qu'à un seul album, mais justement, puisque nous sommes avec toi, cher ami, on va parler de Fleetwood Mac et on va parler de toute leur période, et principalement d'une période que, on va dire, tous ceux qui considèrent que leur période, je mets des guillemets et des gros, californienne de Fleetwood Mac se résume qu'à Rumours, comme ton serviteur, mais en réalité c'est autre chose. Alors, bon, on va commencer, David, Fleetwood Mac. C'est Fleetwood et Mac, c'est quoi Alors au départ, Peter Green, qui est donc vraiment la Greenberg, force... Greenberg, Greenstein, non, comment il s'appelle ? Greenbaum. Greenbaum. qui est donc la force motrice de ce groupe et qui a laissé une empreinte encore jusqu'à aujourd'hui. Il fonde Peter Green's Fleetwood Mac. Donc c'est son Fleetwood Mac à lui. Il a tout simplement pris le nom de famille de sa section rythmique, c'est-à-dire le batteur Mick Fleetwood et le bassiste John McVie. Et donc, au fur et à mesure, ils ont enlevé le Peter Green parce que ça faisait un peu long. Et puis finalement, ce n'était pas une mauvaise idée parce qu'au bout de 3 ans, il est parti. Donc ça, c'est l'histoire. Et l'histoire, c'est comme des dizaines de groupes en Angleterre, en Grande-Bretagne, surtout à cette époque. C'est le fameux blues boom du milieu des années 60. Il ne faut pas confondre avec les Stones qui, eux, arrivent bien avant. Ils arrivent en 60-62. Et ils sont fans de blues. Ils sont fans du blues des origines, du blues de Chicago notamment, de disques américains. C'est ce qu'on appelle, pardon, le British Blues ou c'est autre chose ? Oui, oui, on appelle ça aussi le British Blues, bien sûr, même British Blues Explosion, puisque Led Zeppelin est presque partie de cette, fait presque partie de cette famille. Et ce qui les caractérise, c'est la sacralisation des Noirs américains, avec l'idée qu'ils sont injustement considérés en particulier par les Blancs américains. Et donc, en Europe, on est un peu plus ouvert. Donc, allons-y. Et on peut dire très clairement que grâce aux Britanniques, les bluesmen afro-américains ont eu de la reconnaissance, un peu comme les jazzmen et les Français. C'est-à-dire qu'en gros, on était peut-être à cette époque-là, je dis bien à cette époque-là, un peu moins raciste que l'américain de base en Europe. Et donc, Fleetwood Mac commence, pour ses deux premiers albums, comme un groupe de pure blues qui fait une bonne moitié de reprises. Et ensuite, ça va être l'explosion stylistique et il y aura effectivement plusieurs périodes, dont une qui est toujours oubliée, c'est celle entre 71 et 74, où Bob Welch, un Américain bien brave, fait ce qu'il peut avec ce qui reste et les nombreux problèmes divers qu'ont les membres du groupe et commence à les emmener vers un format un petit peu pop-rock californien. Et tu ne parles pas de Jeremy Spencer. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, lui, il fait partie plutôt de la première mouture, c'est-à-dire il est surtout actif dans les deux premiers albums et sur les concerts des premières années, parce que lui, c'est un pur fan de blues et de rock'n'roll. Donc, toute la journée, toute la nuit, il rêve d'Elmore James. Il limite, il limite au sens presque, à la virgule près, et puis il y a presque un côté kitsch, et il fait la même chose avec le rock'n'roll, avec Buddy Holly, avec Elvis Presley. Donc c'est un personnage vraiment très à part. Et au bout de 3 ans, il est parti de lui-même pour aller rejoindre la secte Les Enfants de Dieu. Donc il y aura le même problème d'identité religieuse avec Peter Green, mais c'est autre chose. Ah oui, c'est autre chose. Parce que, alors, au moins, il n'a pas rejoint la secte. Non. Alors, ce qui est extraordinaire avec cette émission, mon cher David, d'abord, je suis très heureux d'être avec toi, parce que ce puits de lumière rock'n'rollesque, quand même, n'est pas courant. Et j'informe tout de suite nos auditeurs, je fais une parenthèse pour ne pas l'oublier, que la prochaine émission avec David Togis, il ne sait pas, mais je lui ai dit, ce sera un spécial Toto. Et oui. Est-ce que tu es content ? Bah forcément, parce que Toto, Togis, ça va avec. Et puis, c'est aussi un groupe que je connais très bien. Bon, alors revenons à Fleetwood Mac. Alors, bon, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, on a cette période
67-70, qui est peut-être la première période donc, de Fleetwood Mac, mais la playlist que tu m'as proposée, c'est qu'on va commencer par l'inverse, on va commencer par la période californienne, et surtout tu me dis, ne me parle pas de musique californienne, ne me parle pas ça de y est, période. Tu l'as dit, donc j'espère que tu es un bon avocat. Non, mais Rumors, quand même, on en reparlera par la suite. Donc on commence avec, c'est un cadeau quand même qui me le fait, avec le premier titre tiré de Rumors, qui est sorti en 76, 77, non, je ne sais plus exactement. 77. Et le titre, ben, c'est celui que je préfère, ainsi que celui qui suit, comme par hasard, Go Your Own Way, Fleetwood Mac. Un spécial Fleetwood Mac avec Pete Togis, ou plutôt David Togis. Mais alors, on a commencé à l'envers, c'est-à-dire qu'on a commencé avec la période donc, de Rumors, l'album de Stevie Nicks, j'ai envie de dire pratiquement, parce que c'est sa voix qu'on entend. Puis moi, je me disais, quand j'ai écouté ce disque, et la première fois que j'ai écouté ce titre, Go Your Own Way, c'était dans un avion en allant vers Los Angeles, tu vois, pour te dire. Oui, enfin, sauf que c'est quand même Lindsay Buckingham qui compose et qui chante sur ce morceau. Elle fait des chœurs et toi, tu n'entends qu'elle. Moi, je n'entends qu'elle, oui, c'est voilà. C'est beau l'amour, hein.
Mais ce qu'il faut dire... Little Buckingham, d'ailleurs, qui a quitté pour la énième fois le groupe il y a quelques années, je crois. Ce qui est marquant dans ce morceau et dans cet album, c'est des allers-retours entre l'inspiration, cette force de composition et les ruptures. Alors, qu'elles soient amoureuses ou artistiques, par exemple, Go Your Own Way, ça veut dire tu peux partir de ton côté, c'est une histoire de rupture. Parce que au moment de l'album, tout le monde vit une situation de couple délicate, plus la coke, plus le succès, les limousines, les avions, ils sont dans un autre monde, personne n'est habitué à ça, surtout quand on a connu des périodes aussi difficiles que Fleetwood et Mac, justement, les braves rythmiciens qui composent quasiment jamais, depuis tout le début du groupe, hein, ils n'ont jamais composé un seul morceau, quasiment, eh bien, eux, ils ont connu la dèche, hein, quand on était en 72 et que Fleetwood Mac faisait numéro 58 aux États-Unis et en Angleterre, étaient devenus des inconnus, parce que Peter Green étant parti, pour les Anglais, c'était terminé, Fleetwood Mac. Donc, à ce moment-là, en 77, c'est la gloire, mais il faut quand même reconnaître que c'est la gloire grâce à Lindsey Buckingham et à Stevie Nicks, c'est-à-dire qu'eux apportent plus de la moitié des compositions. Il ne faut pas oublier derrière celle qu'on oublie toujours, c'est Christine McVie, l'autre femme du groupe, qui dès qu'elle a été intégrée au groupe, parce qu'au début elle a joué avec eux avant d'être officiellement intégrée, a toujours composé. Et comme tous les grands groupes, celui qui compose chante sa chanson. C'est comme ça que tu peux reconnaître les chansons de Stevie Nicks, c'est quand elle chante. Et d'ailleurs, on aura Sister of the Moon dans deux morceaux. Mais Stevie Nicks, quand même, c'était une belle voix. Non, toi, tu n'es pas d'accord avec moi. Non, je ne dis pas ça. Je dis juste qu'il faut garder Christine le sens des mesures. Christine McVie, qui, si je ne me trompe pas, est partie s'installer en Irlande ou je ne sais pas où, dans la lande irlandaise, aux dernières nouvelles. En tout cas, elle n'était pas dans la dernière tournée européenne. Elle n'était pas du tout prévue dans le groupe. Lindsey Buckingham, oui, parce que je l'ai vu. Mais alors, officiellement, il est viré maintenant, lui, officiellement. Donc, je ne sais pas, peut-être que quand il aura 80 ans, ils vont le reprendre. Mais depuis justement... Une histoire d'argent, non ? Oui, c'est des histoires aussi d'ego et puis de contraintes. C'est-à-dire que c'est aussi des personnes qui commencent à avoir un certain âge. Il peut y avoir les fatigues de tournée et il peut y avoir des contraintes que certains veulent accepter. Regardant, hein. Si tu prends l'exemple du dernier hommage qui a été rendu à Peter Green, qui va bientôt sortir là, en CD, il y a tout un tas de musiciens. Et comme par hasard, en tête, il y a Mick Fleetwood qui est resté un fan de Peter Green. C'est un brave type. Hein, c'est un cossard, mais c'est un brave type, le batteur de Fleetwood Mac. Ben, il veut encore, à son âge, aujourd'hui, rendre hommage à Peter Green, qui lui, s'en fout, avec sa barbe blanche et sa guitare, continue à jouer du Robert Johnson dans son coin. C'est comme ça. Mais en attendant... À l'époque, et pour revenir aux tournées, tout ce qui a été postérieur à ton album Chéri, puisque c'est toi Rumors, qui as choisi Little yes. Lies, non, le suivant, Tango in the Night, le groupe était quasiment déjà disloqué, quasiment. Mais il y avait, bon, on en parlera après, parce que je voudrais quand même qu'on écoute le deuxième titre, mais on en parlera, mais il y avait quand même aussi, mis à part des problèmes d'argent, qui sont venus peut-être après, mais aussi des problèmes de couple, c'était... Oui, alors l'horreur, à partir de 70, dans leur groupe. Enfin, faut pas exagérer, mais surtout qu'ils étaient en couple depuis longtemps. On va dire, oui, McVie, mais enfin, ça a changé. Il y avait je sais pas. Lindsey Buckingham était déjà en situation de rupture avec Stevie Nicks, mais ils l'ont caché pour ne pas nuire au groupe, en fait. Donc en 77, certes, ils ont écrit des morceaux là-dessus, mais ils étaient déjà quasiment séparés. Simplement, il y a tout un ensemble, et surtout, ça ne les a pas empêchés d'être créatifs. C'est vrai. Mais Tusk, en 79, c'était presque, à toute proportion gardée, comme l'album Blanc des Beatles, c'est-à-dire que chacun était dans son monde déjà. C'est-à-dire que Tusk n'est pas du tout un album fédérateur. Et d'ailleurs, il a bien moins bien marché que Rumours. C'était un double album. Et il y a des choses extrêmement presque étranges dedans. Il faut l'écouter quand même. Hein. Et ils ont mis des mois, ça a coûté des millions. Et Lindsey Buckingham, comme toujours dans Fleetwood Mac, il faut un patron. Et ben, c'était lui le patron à ce moment-là. Ah ben on va écouter Little Lies. C'était à ma demande. Hein. J'ai dit, non, on ne peut pas faire une émission s'il n'y a pas Little Lies. Donc, tu m'as proposé Little Lies de l'album Tango in the Night, qui est sorti en quelle année, Tango in the Night? Alors, il est sorti en 87. Et là, justement, si je ne m'abuse, on va entendre chanter Christine McVie, qui compose. Et pas de Stevie Nicks, elle n'était pas... Ah, ben, elle était dans le coin, mais bon, peut-être autre chose à faire. Hein. Christine McVie, qui va chanter dans Little Lies, c'est un spécial Fleetwood Mac avec David Tougis. Et l'album, on peut trouver Little Lies, on peut trouver ailleurs, mais enfin l'album, c'est Tango in the Night. Thank you.
Little Lies, le groupe Fleetwood Mac, nous faisons avec David Togis dans cette émission WDMZ Classic Rock, un spécial. Et on va reparler de ce titre un peu plus tard, parce qu'il est quand même des années 80, c'est autre chose. Mais je voudrais revenir quand même à Peter Green. C'est un garçon qui est quand même surprenant, parce que... Oui, je voulais quand même te proposer en parle après, puisque justement, c'est au morceau d'après... Mais c'est ton émission, mon pote. On va avoir... je n'ai pas cette prétention, mais on va avoir justement l'album avec un grand A de Fleetwood Mac qui s'appelle Then Play On, que malheureusement le grand public connaît beaucoup moins bien que Rumours. Je ne connais pas du tout, moi. Et c'est peut-être le chef-d'œuvre de Fleetwood Mac, donc on en parlera à ce moment-là. Si tu veux bien, ce sera plus simple pour qu'on s'y retrouve, puisque là, on va enfin parler de ta grande amie, Stevie. Alors Stevie. Parce que c'est elle qui signe Sisters of the Moon sur l'album Tusk, donc sorti en 1979. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet album d'ailleurs ? Alors c'est un double album, donc ils avaient beaucoup de morceaux en stock, beaucoup de créativité, et surtout Lindsey Buckingham, qui avait déjà sauvé le groupe en 75, puisque dès l'album du même nom, donc le premier album 100% américain entre guillemets, il y avait eu tout de suite le succès avec des tubes. Mais après Rumours, il y a une énorme pression qui s'est abattue sur le groupe. Il fallait absolument continuer à remplir les stades, à faire de l'argent et à trouver des tubes, et c'est pas toujours rigolo. Donc, c'est d'autant moins rigolo que tu as toujours la même section rythmique quand fout pas une ramée et qui dit « Bon alors, Lindsey, t'en es où de tes compos ?» Donc, chacun arrive. Il y a Christine McVie qui a ses 5-6 chansons. Il y a Stevie Nicks qui a ses 3-4 chansons. Et il y a Lindsey Buckingham. Et manque de bol, Buckingham, qui est à la fois un ciment artistique et créatif, c'est celui qui a le plus d'originalité dans sa façon de travailler. C'est lui qui est le plus virtuose dans le groupe, parce que Christine McVie, comme pianiste, c'est pas non plus Keith Emerson. Eh bien, c'est pas lui qui signe le tube. Celle qui signe le tube, le grand tube de Tusk, c'est Stevie Nicks avec Sarah. Qui a donc plusieurs versions, je m'en rappelle, j'étais bien jeune, mais à la radio c'était féerique quand ça passait. C'est un morceau qui dure 6 minutes dans sa vraie version et c'est magnifique, même si on peut reprocher à Stevie Nicks d'être un peu toujours dans le même credo, même type de chant, même type de mélodie. Et donc j'ai choisi, pour être un peu original, une autre composition de Stevie qui s'appelle Sisters of the Moon et qui a aussi été un des grands succès de cet album 1970. Ah ben, tu sais quoi ? On va l'écouter. Sisters of the Moon, Stevie Nicks du groupe Fleetwood Mac. Thank you.
WDMZ, Classic Rock. Sisters of the Moon, de l'album, du double album, album Task. Une émission spéciale Fleetwood Mac avec David Togis. Et un groupe qui a, on va dire quoi, 3-4 périodes. Au moins 3, effectivement. Et qui sont toujours marqués par la prééminence d'une personnalité qui n'est pas forcément le compositeur unique, parce que Fleetwood Mac n'a jamais fait ça, mais qui est le ciment, qui est le fer de lance, qui est la force motrice. C'est d'ailleurs comme ça que Mick Fleetwood décrit Peter Green. C'est-à-dire qu'en gros, dans les premières années, quand il y avait une répète ou quand il fallait enregistrer, tant que Peter Green n'était pas arrivé, on buvait un café, on discutait. C'est même si on avait une idée de morceau, non, on attend qu'il vienne. Et donc, ça marche comme ça parce qu'il y a des confiances qui se font sur une personnalité. En l'occurrence, là, on vient d'écouter un formidable solo de fin de morceau de Lindsey Buckingham. Chacun a eu son époque où il a dominé le groupe. Et donc, si on revient en 1969, c'est l'apothéose, c'est l'apogée. Mais malheureusement, c'est aussi le moment où Peter Green ne va pas bien du tout. Alors, il y a deux raisons essentielles. D'abord, il a du mal à gérer le succès. Et comme par hasard, un autre guitariste juif blanc a eu les mêmes problèmes, mais de l'autre côté de l'Atlantique, c'est Mike Bloomfield. Oui. Parce que pureté de la musique, parce que milieu, cadre moyen, parce que les bluesmen étaient eux-mêmes pauvres et ils ne savaient pas quoi faire de cet argent. Il a même dit aux autres, mais on pourrait le redistribuer en partie quand même, ça fait beaucoup, on gagne trop d'argent. Et à côté de ça, il prenait pas mal de LSD et en plus, il s'est intéressé au christianisme à ce moment-là. Et alors, j'ajoute, et là c'est vraiment une histoire juive, c'est qu'à 22 ans, au fête de la gloire, il habitait chez ses parents, le bépère. Qui, Peter Green ? Peter Green, il habitait chez papa-maman. Alors, c'était un foyer, la famille juive anglaise typique, qui lui disait à la fois, tout comme petit juif qui fait de la guitare, et à d'autres moments, mais t'es un génie. On ne va pas l'écouter ce soir, mais écoutez chez vous Man of the World, c'est une merveille absolue. Il semblerait, je cite beaucoup le livre de Jean-Sylvain Cabot, j'espère qu'on pourra donner les références après, sur Fleetwood Mac, qu'une employée de la maison de disques, en écoutant ce morceau, s'est mise à pleurer. Man of the World, c'est-à-dire que... Peter Green était capable d'exposer en musique et en texte ses tourments intérieurs. Et donc, dans Then Play On, il y a trois guitaristes qui sont dans le groupe à ce moment-là, mais il n'y en a que deux qui bossent vraiment. C'est Danny Kirwan, le petit timide, un petit peu à la limite de l'autisme, qui mettait 3 heures à faire un riff. Et Peter Green, qui était tellement généreux qu'il a dit « Ok, j'ai tout composé, mais je te laisse la moitié de l'album ». Et donc, dans Then Play On, ce qui rend l'album marquant, c'est qu'il commence à aller vers le psychédélisme, un petit côté hard rock, un petit côté progressif, beaucoup plus d'arrangements, beaucoup plus de variété dans l'inspiration, 3 ou 4 instrumentaux, ce qui va devenir une phase méconnu de Fleetwood Mac, c'est-à-dire que jusqu'à Tusk, pratiquement, il y avait toujours un instrumental par album, et souvent très très beau. Donc c'est une sorte de tradition. Et puis, il y avait un côté aussi novateur, c'est-à-dire que c'est pas par hasard que cet album sort en même temps que Abbey Road, des Beatles, et les deux premiers albums de Led Zeppelin. Et c'est pour ça que Then Play On, c'est un album... Qui ne mérite pas cet oubli dans lequel il est tombé, parce qu'on a soit les fans de Peter Green qui veulent écouter du blues de Chicago, et pas à 2 kilomètres à la ronde, ou ceux qui, comme toi, se disent « pour moi, c'est Rumours, c'est Go Your Own Way, c'est Don't Stop ». Et donc voilà, je donnais sa chance à Then Play On. Même si Peter Green, dans la partie blues, je suis un grand fan quand même, évidemment. Bien sûr. Mais on va écouter Then Play On, on va écouter Rattlesnake Shake. Wow, tif. Baby, if you got the rock, I got to be a rocking horse. Baby, think you like to roll and make me a digging mole. You're shaking the world when it's time to crash. But when I get home at night, I guess I got to shake myself. You need some love, you must have the blues. And but the one thing a good man can do is do the shake, the rattlesnake shake. Man, do the shake. Jack away the blues, not Jack.
I know this guy. His name is Mick. Now he don't care when he ain't got no chick. It do the shade. The rousty shake. Yes, it do the shade. Rattlesnake Shake, l'album d'Un Play On. Alors, on le disait à l'instant, ce qui est très intéressant avec ce groupe, même je sais que si tu ne veux pas en parler, mais il y a quand même une réédition qui ressort. Ah. Ouais, oui, Warner, vous auriez pu nous envoyer quand même l'album, et en plus en deux exemplaires. Alive and Kicking Fleetwood, c'est un live édition donc chez Warner. J'en dirai pas plus que je l'ai pas. Alors. Bah en fait, c'est une édition augmentée du live de 1980, qui est la tournée triomphale, qui table à la fois sur le succès de Rumours et de Tusk. Donc tous les grands succès y vont. Mais ce que disent les critiques, parce que je connais très mal cet album, je l'avoue, c'est qu'il y a plus de guitare et plus de pêche. Et qu'ils reprennent un morceau, qu'on aura peut-être le temps d'écouter, de l'époque Peter Green, c'est Oh Well. Donc quand même un petit peu de Peter Green encore à cette époque. Bon alors Warner, hein, si vous écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Deux, hein. Deux, l'adresse, vous la connaissez, la RCJ. Alors bien, on le disait, c'est ce qui est extraordinaire avec ce groupe, c'est qu'en fait, il y a plusieurs groupes à l'intérieur. Quoi. Oui, en même temps et en se succédant. C'est-à-dire qu'avec ces compositeurs qui sont au moins deux ou trois par album, quand Christine Mavie chante, on reconnaît tout de suite son timbre de voix très particulier, une forme de poésie, des inspirations mélodiques qui n'appartiennent qu'à elle. Stevie Nicks, elle a une façon de composer même ses textes et un grain de voix extrêmement particulier. Et quand il s'agit des autres, c'est-à-dire successivement Jeremy Spencer, Peter Green, Danny Kirwan, Bob Welch, dont on va parler maintenant si tu veux bien, eh bien à chaque fois c'est différent. Bon. Et donc Bob Welch arrive dans Fleetwood Mac au moment où c'est complètement à la dèche, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent plus où aller parce qu'ils ont perdu toute leur force motrice, puisque après Green, c'est Kirwan qui est parti, Spencer étant parti lui le premier pour ses délires mystico-religieux. Et donc Welch, il apporte quelque chose de très américain, c'est-à-dire une grande musicalité, côté jazz, côté folk, côté pop, et côté californien aussi. Et d'une certaine manière, le dernier album avec Welch, qui sera, je crois, Heroes Are Hard to Find en 74, eh bien, il fait la transition en douceur avec l'album qui n'a pas de nom, qui s'appelle Fleetwood Mac de 75, qui est donc le début d'un succès mondial et planétaire. Et pendant tout ce temps-là, Christine McVie continue à composer, Kirwan un petit peu au début avant qu'ils partent, parce qu'ils sont tous partis les uns après les autres, hein. Et Bob Welch s'est retrouvé sur certains albums à composer pratiquement les trois quarts, tout seul avec Christine McVie. Et c'est vrai qu'on va écouter un morceau, c'est un autre groupe, ça n'a rien à voir ni avec la période Green, ni avec la période Buckingham, Nicks, etc. Et donc c'est un groupe qui devient en quelque sorte folk rock un peu pop avec un très bon guitariste, mais toujours avec la même rythmique qui eux de toute façon sont toujours là. Eh ben ouais, écoutez donc Bob Welch dans Fleetwood Mac, le titre c'est Revelation et l'album Penguin. Autant te dire que je connais même pas cet album. 73. Mais on est toujours avec Fleetwood Mac, hein, y a pas de mystère. 73, grande époque progressive, mais plutôt mat, choisissent une autre voix à ce moment-là. Et pour la petite histoire, il y a un autre morceau de cet album où Peter Green fait une apparition non créditée. Eh ben voilà. Merci, monsieur David Togier. Enfin, c'est pas terminé, mais c'est Revelation Penguin. Thank you.
Lundi sur deux, de 23h à minuit. Eh bien, un lundi sur deux, de 23h à minuit, c'est WDMZ, c'est du classic rock. Et malheureusement, pas un lundi sur deux, mais une fois par mois, et on va essayer de continuer. Voir, j'ai d'autres idées, mais ça, je ne vous le dirai pas à l'antenne. Eh bien, c'est du classic rock, cette fois-ci, donc, une fois par mois. Je ne sais même pas si c'est vraiment la fréquence de ces apparitions sur cette antenne. C'est avec David Togis. On a écouté donc Revelation Penguin. Alors, quand même, il y a plusieurs Fleetwood Mac, il y a plusieurs périodes. Il y a quand même une, je dirais, une chose qui ne varie jamais, une constante, c'est, je sais que tu n'es peut-être pas d'accord, d'abord leurs histoires de fesses, c'est non-stop des problèmes entre eux. Avec, non, je ne suis pas d'accord. Voilà. Et la drogue, là, c'est... Bon, je ne suis pas les seuls là, avec la drogue. Et je crois, malheureusement, parce que ça a touché les plus créatifs, que ça ne touchait pas toujours les mêmes. C'est Mick Fleetwood et John McVie. Enfin, on entend parler d'eux dans une émission de radio, Les Malheureux. Parce que celui qui tient la baraque, c'est celui qui est clean. Prends l'exemple de Bowie quand il embauche un pianiste juif, d'ailleurs. Mike Garson, il était ultra clean. Il lisait la musique en partition. Il arrive, il dit, c'est quoi, c'est fou. Mais n'empêche que quand le concert tournait au délire total, il était là, il jouait bien, Mike Garson. Donc il a tenu le groupe, parce qu'il était clean, notamment. Donc ces gens-là, ils ont toujours eu leur place, et je pense que tu exagères peut-être, il y a des gens très raisonnables. Christine McVie, à ma connaissance, n'a jamais plongé son nez dans la chnouf. Non, je ne peux pas te dire. Mais elle n'a pas toujours été heureuse, non, mais voilà. Je ne pense pas qu'elle a été au point où Green prenait du LSD. Après, il y a eu des problèmes, enfin, des problèmes, il y en a toujours. Mais pas forcément ces histoires de fesses. Non, mais alors... Ils se sont engueulés beaucoup, oui. Oui.
Et puis, bon, après, il y a l'argent, mais ça, c'est beaucoup de groupes. Ah bah surtout quand il est question de droit, c'est-à-dire que quand tu fais un tube, mais que tu as bossé 10 fois moins que Lindsey Buckingham qui ne fait pas de tube, il peut y avoir des jalousies. Alors, il y a eu une période, donc on a un peu écouté, c'est vrai qu'un peu santanesque. Hein, dans ce... Alors, c'est parce que ce morceau-là a été un petit peu chaloupé, mais c'était l'occasion de donner quand même un petit peu de visibilité à ce brave Robert, Bob Welch, qui est sorti de Fleetwood Mac épuisé en 74 et qui a fait des albums solo qui ont pas mal marché dans les années 70. Et puis, très bon guitariste, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fous, les pépères, la section rythmique, ils n'embauchent pas n'importe qui. Ils écoutent hein, Lindsey Buckingham, ils ne sont pas dit, tiens, sa copine, elle est jolie, ils chantent bien tous les deux, leurs harmonies sont magnifiques, ils savaient que c'était un bon. Et donc, c'est ça aussi d'être un bon musicien, c'est de reconnaître les talents et de rendre hommage aussi aux solistes, parce que Fleetwood Mac a toujours eu besoin de solistes. Donc, c'est une période de transition, effectivement. Et ils sont bien contents, Fleetwood Mac, et je crois que la rythmique est reconnaissante à Bob Welch d'avoir survécu tout ce temps-là et d'être arrivé miraculeusement à trouver Stevie Nicks et Lindsey Buckingham, parce que c'est vraiment un miracle, dans la mesure où il s'agissait à ce moment-là, juste pour le producteur, Keith Olsen, de dire « Tenez, je voudrais enregistrer un peu comme cela, tiens, je vous fais écouter un petit duo ». Et après, ils ont dit, bah, il nous les faut, et hop, c'est parti comme ça. Et pourquoi ? Parce qu'eux, ils avaient besoin d'argent, les malheureux. Stevie Nicks et Lindsey Buckingham, ils étaient complètement à sec, à la rue. Ils étaient à sec, c'était un duo folk qui avait besoin d'argent. Ils ne seraient pas venus sinon. Alors, on peut se demander aussi, d'ailleurs, puisqu'on va parler de Mick Fleetwood, pourquoi. Mick Fleetwood, pourquoi il apparaît pratiquement dans toutes les... Bon, c'est vrai qu'il est très grand, ce monsieur. Mais il est photogénique. Les pochettes, il est toujours là. Non, mais surtout dans... Regardez, quoi. Heroes are hard to find. Hein, j'imagine que vous êtes tous et toutes près d'un ordinateur ou d'un... Alors, il est grand et maigre et il se prête avec son inexpressivité aux photos les plus diverses. Et puis, c'est un gimmick du groupe. Hein. Vous avez des groupes qui ont des logos, des petites créatures qui apparaissent dans un coin, etc. Ah non, c'est un gimmick, ouais, absolument. À un moment, d'ailleurs, les photos du groupe n'apparaissaient plus. Hein. Carrément. Ah bah dans Tusk, il n'y a plus de photos de groupe. Bon. Dans Tango in the Night non plus. Donc ils ont arrêté un moment, mais c'était un truc entre eux. C'était la mascotte un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on veut dire sur Mick Fleetwood, Monsieur Togis? Parce que ce qu'on va écouter Mick Fleetwood dans Original Fleetwood Mac. Mais bon. Mais tu es tombé dans le piège. Eh oui. On ne va pas écouter Mick Fleetwood, on va écouter un instrumental, oui, mais parce que c'est important dans l'histoire de Fleetwood Mac, qui s'appelle Fleetwood Mac justement. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas fatigués, ils ont fait un bœuf, ils ont trouvé que ça sonnait bien. Et ce qui est intéressant aussi, à mon avis, c'est que ça renseigne bien la période du début, c'est-à-dire 1967, où ils commencent à faire leurs propres compos sur la base du blues qu'ils aiment. Et donc, comme le reste, hein, ce n'est pas eux qui composent, je te rassure. Hein, c'est l'ensemble du groupe et plutôt Peter Green. Et c'est à la fois un instrumental, il en fallait au moins un. Et puis en même temps, bah, ils portent le nom du groupe, ce n'est pas si fréquent. Ah, j'étais persuadé que c'était quelque chose de Mick. Non, il n'a jamais rien fait, ça, je te rassure. Oui, bah, la seule fois où il a signé. C'était pour lui faire plaisir qu'il a signé une compo. C'était sur Zen Play On. C'est Peter Green qui a voulu lui faire plaisir. Mais bon, il est toujours là. Eh bien, bah, écoutez, donc. Alors, tu as précisé que c'était un titre en mono, hein, mais en. Oui. Original Fleetwood Mac, c'est l'album. Et on va écouter Fleetwood Mac. Thank you.
Spécial Fleetwood Mac. Là, on est dans la période très très bluesy. Hein. Alors, tu m'as dit que c'était un inédit, ce original Fleetwood Mac. Oui, c'est peu connu, inédit. Ce sont les méandres des rééditions, c'est-à-dire qu'il y a eu ce superbe album qui est arrivé récemment avec plein de prises inédites, alors parfois il y a deux ou trois fois le même morceau, et des morceaux inédits dont fait partie cet instrumental qui n'était pas sur les albums originaux de l'époque et qu'on peut trouver assez facilement. Et pourtant, l'album s'appelle The Original Fleetwood Mac. En fait, c'est que ça a été évidemment marketé pour mettre en avant Peter Green en disant, tiens, les fans, là, regardez, vous avez le vrai Peter Green. Sous-entendu, là, vous êtes sûr d'avoir que du Peter Green. Parce que si tu t'amuse à prendre un best-of de Fleetwood Mac, avec toutes les périodes qu'il y a eu, va savoir sur quoi tu tombes. Donc c'est compliqué. Là, c'est le Fleetwood Mac de Peter Green. Ok, alors maintenant, Oh Well, on est dans du live, c'est l'album Boston Blues. Pourquoi ce choix ? Alors, c'était important, il me semble, d'abord de diffuser un live, et surtout un live de l'époque où ça jamais pas mal, parce que les lives du succès, comme le live de 80, c'est quand même encore autre chose, malgré le talent de Lindsey Buckingham. Et puis, c'est un classique de Peter Green, Oh Well, c'est à tel point que, justement, il était encore joué en 80, et je crois qu'encore aujourd'hui, il est au répertoire du groupe, pas tout le temps, mais donc c'est considéré comme un classique. C'est aussi une musique beaucoup plus péchue qu'avant, donc un groupe qui commence à aller plus vers le rock un peu plus dur. Et puis surtout, c'est une tournée mythique, c'est-à-dire que Boston Blues est enregistré en 70, et entre 69 et 70, tout ce qui tourne autour de l'album Then Play On, on a un Fleetwood Mac dans la plénitude de ses moyens, avec trois guitaristes qui n'arrêtent pas de buffer, qui font des morceaux qui peuvent durer 10, 20 minutes, et qui sont dans la virtuosité et dans la recherche d'originalité qui donne lieu à des concerts d'anthologie. Et donc, tous les concerts de cette période, 61-70, sont recommandables si le son est correct. Et celui-là, Boston Blues, il a fait l'objet de tellement d'éditions que c'est même pas la peine de le lister parce qu'il faudrait deux émissions. Donc, c'est une des éditions. Et dans cette édition, celle que je possède moi, il y a un double album avec notamment un Green Manalishi de 25 minutes. Donc, à l'époque, à part Led Zeppelin qui faisait un solo de batterie qui en durait 20, et Grateful Dead. Et Davida quand même aussi. Oui, enfin, c'est pas un groupe qui a fait très long feu à Iron Butterfly, mais Butterfly, oui. C'était voilà ce côté aussi jam band qui allait être très important dans la culture plus américaine que britannique d'ailleurs. Ah ben on va écouter donc un live, l'album Boston Blues, et le titre c'est Oh Well, Peter Green. Shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Now when I talk to God, I know he'd understand. He said, stick by me and I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to.
Vous pouvez réécouter la playlist de cette émission sur radio-rcj.info et l'application RCJ, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast, dont Apple et Spotify. Et sur, évidemment, la plateforme exceptionnelle, celle de David Togis, comme tout le monde sait, qu'il a toutes les plateformes musicales au monde. J'ai même les plateformes Boots. Je fais des concerts de Kiss tout seul. Oh, on peut rigoler, non, quand même. Je le vois un qui râle là-bas au fond. Monsieur David Togis, quand même, il nous reste quoi, 10 minutes d'émission, même pas, 5, 6, 7, je ne sais plus. 5 minutes. Eh ben, on va pouvoir écouter du vrai blues. On va écouter du vrai blues, mais je voudrais quand même que tu nous... Avant de terminer cette émission en beauté avec du blues, un dernier mot sur Peter Green. Quoi. Voilà. On se quitte avec Peter Green quand même et son titre Stop Messing Around. Eh ben, quand il a quitté le groupe, il avait encore de la créativité, c'est-à-dire on était en 70, donc il a fait une dizaine d'albums solo. Si on compte les albums de pure blues, on doit bien être à 20 ou 30 maintenant, y compris les lives, où par exemple il jouait que du Robert Johnson. C'est devenu un vieux monsieur très sage qui a du recul et qui ne regrette pas d'être sorti du show business. Et il a eu une période où il était vraiment gravement atteint, puisqu'il a été hospitalisé, qu'à un moment, il a été dans un kibbutz. Oui, il a fait toutes sortes de petits boulots. À un moment, il a donné tout son argent à des aides de charité. Il a dû inquiéter sa famille. Et puis, voilà, il s'est un petit peu calmé. Et ça reste un guitariste avec un toucher très, très particulier, très puriste, une virtuosité qui n'est pas du tout voyante. Et c'est ce qui fait tout le charme de son jeu, en tout cas pour ceux qui aiment la guitare. Et au départ, donc dans ces deux premières années, c'était un simple groupe de blues dont on n'aurait pas forcément deviné les origines londoniennes. Eh bien voilà, merci David Togis pour ce spécial Fleetwood Mac. On va terminer avec... le titre Stop Messing Around de l'album Mr. Wonderful. Le temps pour moi de vous souhaiter non seulement une excellente nuit, mais surtout de vous dire que dans un mois, à peu près, hein, soyez à l'écoute des émissions, on fera un spécial Toto, toujours avec M. David Togis. Et toujours avec un grand guitariste, Steve Lukather. Avec Steve Lukather, que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Oui, absolument. Voilà, salut à tous et à la semaine prochaine pour du blues. Cherry red, you wrote me so hard, baby, I'm falling out.